Allo amis Vainé et Vainéo, on se retrouve pour la dernière vidéo unboxing de cette semaine, je dirais. Il s'agit de la super box déco, lifestyle, gourmandise, tout ça, de ma petite box surprise. Alors désolé, ça s'est fait la malle. Elle se présente comme ça, réutilisable, j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas ma petite box surprise, c'est une box qui met en avant chaque mois une région française et ses artisans, qu'on va trouver du local, du made in France, tout ce qu'on aime. Il y a deux formules d'abonnement, une à 39,90 et une à 29,90 €. De toute façon, je vous ai absolument tout mis en barre d'infos, ainsi que mon lien de parrainage qui vous donne droit à 5 € de réduction sur votre box, ma petite box surprise. Ce mois-ci, la région qui est mise à l'honneur, c'est le PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Franchement, j'ai trop hâte. Alors, vous allez me dire, t'es pas très raccord, hein, doudou Alcovid. Je fais au mieux. Et je me suis dit, Azur, Bleu, Côte d'Azur... Est-ce que vous me suivez là? Sans plus attendre, découvrons enfin ma petite box surprise du mois de juillet. PACA! Tout d'abord, j'attrape un petit mot de ma petite box surprise de Caroline que j'ai hâte de vous lire. Et on a aussi la lettre où on y trouve l'édito, le descriptif produit, les sites incontournables à retrouver dans la région PACA, un focus sur les artisans. En gros, ce livret, je le trouve super bien fait. Voici notre kit de l'été pour une pause ensoleillée grâce à notre artisanat de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Votre programme, profitez de belles journées de juillet en se promenant, en observant la nature, mais sans oublier bien sûr d'emporter son goûter et se rafraîchir le soir venu. Quant au mois d'août, teaser sur le mois d'août, c'est une inspiration gypsy bohème, oh, j'adore ce style vestimentaire, c'est un peu comme ça que je m'habille d'ailleurs, qui soufflera sur ma petite box surprise grâce à notre artisanat d'Occitanie. Donc c'est l'Occitanie qui est mis en avant au mois d'août, le mois prochain. Dites-moi si vous venez de cette belle région. Préparez-vous pour un voyage tout en couleurs et en découverte. À très vite pour de nouvelles surprises, ma petite box surprise. Petite parenthèse, Caroline m'avait spécifié que... qui avait de la lavande, c'est logique, on est en Provence. Elle me dit, je me tire les cheveux pour toi et tout. Je dis, c'est pas grave. Mais ça m'a fait bien rigoler. Édito, bonjour. Bienvenue dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entre mer Méditerranée, montagne et arrière-pays, difficile de se décider. Pour cette édition, nous avons fait le choix de vous proposer une pause ensoleillée en pleine nature grâce aux artisans de cette si belle région et aux 6 surprises sélectionnées. Bonne découverte, bonne surprise et surtout profitez de cette si belle région. J'ai trop hâte. 6 surprises. Tous les mois, on a une recette et ce mois-ci, c'est les navettes de Marseille. Je connais pas du tout. Il me semblerait que c'est des petites baguettes comme ça. Dites-moi si vous connaissez. Je vous mets une carte à l'écran de la région PACA, où ça se situe géographiquement parlant. Les sites à visiter, l'île d'Or, l'Estrel, Saint-Tropez, la Vallée des Merveilles, le Cap Ferrat, Nice, Grasse, l'arrière-pays niçois, Parc National des Écrins, Avignon, Marseille, Aix-en-Provence, le Mont Ventoux, et j'en passe. La liste est très longue. Des spécialités culinaires, la bouillabaisse, hein, bien sûr, la tapenade, que c'est bon, beignets de fleurs de courgettes, les navettes, tarte tropézienne, tomate à provençal, tarte aux fraises, de Carpentras, sa niçoise, melon de Cavaillon, fougasse, ratatouille, aioli, riz au pignon, ça doit être délicieux ça. Je vous la fais en diagonale, mais mon dieu, je vous le mets à l'écran si vous voulez faire pause. Et donc on a la petite visite guidée et ici c'est focus sur Marseille. Donc on a le vieux port Notre-Dame de la Garne, les calanques magnifiques. Oh, j'ai fait les calanques en bateau. Un souvenir mémorable, et le quartier du Panier. On passe à l'unboxing. On a tout plein de choses de dingue. Premier produit que j'attrape, c'est un torchon, une foutage, je ne sais pas, mais de super belle qualité. Je vous mets une incrustation à l'écran si j'y arrive, parce que c'est grand quand même, avec un liseré bleu comme ça. C'est magnifique. Waouh, j'adore. Vous savez, comme nappe sur la table basse ou autre.
Je sais pas, mais je suis trop fan. J'adore recevoir des produits pour la maison. Ce produit est uniquement présent dans les box 39,90. J'explore, je m'installe et profite de la nature. Ma mini fouta parfaite pour s'asseoir dans la nature, sur la plage, dans un parc ou encore dans un jardin. Tout ce que je n'ai pas sur mon balcon, ça passe. Très pratique car peu encombrante, je confirme. Vous pouvez bien sûr aussi l'utiliser en tapis de bain. Ah, j'y avais pas pensé en tapis de bain. Les utilisations sont multiples, en indispensable de l'été. Donc c'est de la marque Dampa 1975. C'est un grossiste situé à Aix-en-Provence. Prix de vente 9 euros. Je trouve que c'est super raisonnable. Oh, j'adore. Oh là là. Avec les petites franges là. Vous voyez, trop fan de ce premier produit. Donc, prochain produit, c'est de la marque Mes Petites Surprises, parce que ma petite box surprise a sa propre marque, un petit peu comme P-Lab, My Little Beauty, etc. Et là, c'est un super sac. J'adore. Et j'ai la pochette qui va avec, qui est juste là dans ma bibliothèque. Je suis fan, c'est ma couleur préférée. Vous savez, terracotta, comme ça. Bah, d'ailleurs, c'est un peu raccord avec le make-up des yeux. Je suis trop fan. C'est fait à la main, je suppose. Vous voyez. Ah ouais, en bandoulière comme ça, vous voyez. Trop beau. Je prépare mon sac pour une escapade. Mon sac en raffia, je ne sais pas du tout ce que c'est le raffia. Réalisé à la main au crochet dans notre atelier spécialement pour vous. Il sera parfait cet été en vacances pour toujours avoir l'essentiel avec soi. Prix de vente 18 euros. Ça fait tellement estival. Oh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et la couleur, je ne sais pas s'il existe en différents coloris. Visiblement, oui. Sur l'image, mais je suis pas sûre. Je vais en mettre des choses dedans, croyez-moi. Prochain produit, alors c'est un produit méga super atypique, mon joli herbier Plantez-moi et arrosez-moi. Donc en fait, on a un cahier super bien emballé comme ça, et ici en fait il y a juste à planter, vous voyez, il y a les graines dans la feuille. C'est de la marque Louvre Illustration. C'est vraiment un cahier fait-le, appartient à pâquerette. Qu'est-ce qu'on a? Les pissenlits, la rose d'Inde. Du coup, je ne sais pas si c'est à colorier, mais en tout cas, j'adore l'idée. Colle ou dessine toutes les fleurs, feuilles que tu rencontres. Ici, par exemple, on a le liseron des champs. Et si on le trouve dans la nature, on le colle ici. J'adore. Oh là là, je vais aller à la cueillette. Faut pas que je perde ça pour planter, eh ben, je pense, chez mamie. Hein. Un brin de poésie, quelques fleurs séchées, des plumes ou encore un feuillage bien vert. Voilà la recette parfaite pour réaliser son herbier. Laissez votre imagination opérer. Cahier de 27 pages, dont 12 planches botaniques. Cartes ensemencées biodégradables, graines de fleurs sauvages à humidifier et à planter en terre. Imaginez fabriquer à l'atelier dans le sud de la France. Tout est fait main, de l'impression au packaging en passant par la reliure de chaque cahier. Concernant la marque, c'est une marque française située à Draguignan. Les illustrations sont réalisées à la main, mélangeant aquarelle et tablette graphique. Prix de vente 12 euros. Voilà pourquoi j'aime ma petite box surprise. On trouve vraiment des surprises atypiques. Je suis trop, trop, trop contente. Alors, prochain produit, elle m'avait prévenu, je ne le testerai pas, hein, il sera sûrement pour vous. Qu'est-ce que c'est à la lavande? C'est un roll-on huile essentielle lavande fine AOP bio de Haute-Provence, de la marque Les Bouquets du Ventoux, Ventoux Provence. À l'écran, je vous mets une incrustation de près du roll-on. Je sens d'ici, mais ça va, c'est supportable. Peut-être parce que ça sent la vraie lavande? Je sais pas. Enfin, j'ai quand même refermé parce que là, c'est... C'est un petit peu trop pour moi, quoi. Je trouve que ça rentre complètement dans le thème, hein, la lavande. Une box PACA sans lavande, je me serais posé des questions, quoi. Mon roll-on lavande. Une piqûre d'insectes, appliquez le roll-on sur la piqûre pour calmer les démangeaisons. Main à tête, appliquez le roll-on sur les tempes. Envie de vous parfumer ou vous détendre, appliquez le roll-on à l'intérieur des poignets. 100% d'huile essentielle bio de lavande Angus Tifolia, cultivée à 800 mètres d'altitude, sur les contreforts du mont Ventoux. La marque. Sillon après sillon, l'histoire s'inscrit sur les contreforts du mont Ventoux depuis plus de 3 générations. C'est le grand-père Colbert Reynard qui plante son premier pied de lavande sur les 20 hectares que compte alors la ferme familiale. Nadège et Joanne perpétuent cette tradition dans le respect des méthodes culturelles d'antan. Seule la récolte jadis réalisée à la main s'est mécanisée au fil du temps afin de permettre l'exploitation de 60 hectares de lavande fine AOP labellisée bio. Prix de vente 5,80 euros. C'est vraiment très très local. On a même leur 06 sur le packaging. Je vais faire des heureux et des heureuses, je sens. Ok, prochain produit.
c'est une gourmandise. Je savoure mon goûter. C'est de la marque 1844, aux origines de la confiserie. C'est des pâtes de fruits, assortiment de Provence, abricots, fraises de Provence, melon de Cavaillon, savoir-faire artisanal de 160 grammes. C'est fabriqué à Carpentras. Maintenant que j'ai retrouvé le goût, je vais me faire un plaisir de goûter. Sauf qu'en fait, là, il est 8h30 du matin. Et pour être honnête, là, j'ai pas franchement envie de pâte de fruits, mais on va goûter, hein. Qu'est-ce que je ferai pas pour vous, hein? C'est très sucré, c'est de la pâte de fruits. Je sais pas s'il y a des goûts différents, fraise, melon, abricot. J'ai l'impression que celui que j'ai pris, c'est à la fraise, je suis pas sûre, mais c'est plutôt bon. Là, 8h30 du matin, après avoir pris un café, non, je vous le conseille pas, mais j'adore recevoir des gourmandises, hein, dans les box. Oui, je suis gourmande. Et alors, je savoure mon goûter. Ah bah ouais, moi aussi je le savoure. Mon sachet de pâtes de fruits de Provence, abricots, fraises, melons, sans arôme et sans colorant, pour un pur moment de délice et de gourmandise. Je vous confirme, j'en ai encore dans la bouche. 1844, aux origines de la confiserie, est une confiserie qui perpétue la tradition depuis plusieurs générations. Elle aussi. Toujours installée à Carpentras, elle se charge de faire revivre le goût des bonbons authentiques. Les approvisionnements sont en circuit court avec des fruits de production locale, de composition simple, sans agent de conservation. Son but, continue à faire vivre le patrimoine et proposer des produits porteurs de valeur, prix de vente 6,90€. Je trouve que c'est pas très cher, j'aurais mis plus, hein, perso, dans ce sachet, parce que c'est vraiment bon, c'est artisanal et tout. Franchement, j'aimerais trop vous faire goûter, là. Alors là, je compte, il n'y a pas 6, mais 7 produits. Je sais absolument pas ce que c'est. C'est de la marque Cosmo Energy, maté framboise, performance, secouer, buvez, boire pur ou dilué, très très original, fabriqué en Provence, oui, c'est... Tout est fabriqué en Provence, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. 53 ml précisément, ça donne bien envie. Moi qui ai besoin d'énergie en ce moment, hein, avec Doudou malade. Ma petite boisson Cosmo Energy est un concentré de super aliments dans un format pratique de 53 ml. Très pratique à amener avec soi et qui procure un regain naturel d'énergie de plus de 4 heures. C'est une infusion de maté et de framboise. C'est une infusion de maté et de framboise mélangée à des jus de fruits et des extraits de café vert et de guarana bio. À consommer pur ou dilué dans 15 cl d'eau plate ou pétillante. Ah, pétillante, ça peut être pas mal. Contribue à la performance mentale, aide à la concentration, aide à se sentir plus énergique pour un shot par jour. Cosmo Entreprise est une entreprise artisanale basée à Marseille. Big up à Marseille. Nous fabriquons des boissons innovantes et engagées envers la planète et la santé de tous. Tous nos produits sont exclusivement issus de l'agriculture biologique et nous favorisons l'écologie grâce à des emballages éco-responsables, étiquettes en déchets de canne à sucre, verre recyclé à 70%, ainsi que d'autres actions que nous mettons en place telles qu'un programme de plantation d'arbres et l'adhésion au club 1% for the planet. Vous savez, ce fameux label que j'ai découvert il y a quelques mois, donc je suis fan. Prix de vente 2,65€. Franchement, c'est super raisonnable. Je testerai bien ça avec vous pendant le vlog, soit de juillet, soit d'août. Et enfin, dernier produit, donc le 7e. On est méga super gâté dans cette box. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est celui-ci. C'est de la marque Famous. Fame, c'est mousse. Donc Famous. Ah, ça doit être un jeu de mots avec Famous, Famous. Famous Foams Fragrance. Mousse corporelle cool et craquante, 150 ml, grand format. Je me rafraîchis le soir venu. Une expérience unique avec cette mousse hydratante qui crépite sur le corps pour une sensation de fraîcheur instantanée. Notre peau est douce, soyeuse, hydratée et sent bon l'été. Parfaite après une journée passée au soleil. Issue de la concentration entre les mots d'origine anglaise foam et famous, famous. J'avais raison. Est une marque hautement addictive créée en France au cœur de la R&D de Sophia Antipolis, donc Sophia Antipolis à côté d'Antibes, et des collines de Grasse, berceau des fragrances iconiques. Hybride entre cosmétique et parfum, Famous est un concept de mousse de parfum breveté et primé par la French Tech. Prix de vente 17,95€. Bon, on va tester. J'espère ne pas en mettre partout. Je sais pas s'il faut secouer ou pas avant. Je sais pas. Bon, dans le doute, je secoue. Mon Dieu, j'ai peur d'en foutre partout. Oh wow. J'en ai mis qu'un peu et ça mousse grave. Ah, oh, ça crépite. Attendez, micro. Oh, c'est agréable. Ça fait comme des chatouilles sur le dos de la main. Oh, ça sent trop bon. ASMR, bonjour.
Ah, j'aime bien cette texture. C'est pas collant. Il en faut pas beaucoup, hein, je vous le dis. J'ai à peine fait un pchit qu'il y avait un truc comme ça. C'est sucré. Ça sent presque la papaye, on dirait. Ça sent les fruits tropicaux. Ça sent l'été. Oh là là. Oh, je sais pas, je crois que c'est le coup de cœur de la box. Ah ouais, non mais ça c'est un coup de cœur. C'est un produit atypique de chez Atypique, comme j'aime, vous savez. Waouh, je connaissais pas du tout le principe. Youpi, 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 tralalouille. Voilà, on est parti sur tralalouille. Laura, rien ne va plus. Unboxing terminé, mais mon Dieu, je suis en joie, puissance joie. Je sais pas ce que vous pensez de cette box du mois de juillet en région PACA avec des artisans de Marseille, Carpentras, Sophie Antipolis, Grasse et j'en passe. À l'écran, je vous mets un close-up de près des produits reçus dans cette box. N'oubliez pas qu'on a eu 7 surprises dans cette box. La sélection est parfaite. On a de la cosmétique, on a des accessoires, on a des gourmandises. On a du lifestyle, une sélection de dingue, selon moi. C'est vraiment des goûts perso. Je ne sais pas si vous êtes aussi emballé que moi, dites-le moi en commentaire. J'ai adoré découvrir cette région PACA. C'est pour ça que j'adore cette box. Si j'ai bien compris, cette box n'est plus dispo, elle est en rupture de stock. Vous avez été très 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 nombreuses à commander cette box, peut-être parce que vous veniez de cette région, d'ailleurs dites-le moi en commentaire. Mais si vous venez de la région Occitanie, n'hésitez pas à commander du coup dès maintenant la box pour le mois d'août. Et franchement, elle promet Gypsy Bohème, c'est pas du tout ce que ça peut m'évoquer. Ce sera la surprise, je vous dirai. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Ça me donne du baume au cœur. N'oubliez pas de checker très très fort la noix de coco si vous avez passé un bon moment avec moi et ma petite box surprise. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait beaucoup. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez grand soin de vous.